Comprends-tu, je veux dire, à la base, restaurateur, c'est généreux. Okay. On arrête ça en anglais maintenant. On y va en anglais? Oui. Maybe. At the base, we have to be generous. J'ai dit, tu sais, j'ai pris une caméra tout seul, puis j'ai dit, je vais les suivre moi-même tout seul. Et t'imagines-tu si tu avais demeuré toute l'équipe? T'étais seul, t'as vendu ta maison. Oui. Imagine, t'étais avec une équipe. J'ai vendu sa maison, il y avait plus une scène. Fini le film. On dit un film aujourd'hui, mais moi, au début, quand Guillaume m'a approché, c'était un documentaire. Pour moi, c'est encore un documentaire. Puis ce que j'ai mis Guillaume, il dit, je fais juste rentrer dans vos vies, puis regarder qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Puis. Puis on verra ce que ça donne. Ça doit être juste pour Canal D. Ouais, ouais. Et puis je pense que c'est pour ça, Guillaume, il a su comprendre l'essence. Soit on est approché, nous les chefs, à faire des émissions de cuisine, puis des TV shows, là, tu sais, juste pour, sur le coup, puis sont 12 personnes pour faire 20 minutes. Puis je pense que des fois, on en perd un peu l'essence. Tu bois pas. Un fou, je calme. Ouais. Okay. Ça fait mal à la télévision, on passe les alcooliques après. Ouais, c'est tout le temps de nous. Ouais. Au début, là, il y avait, je pense, 2-3 caméras, il y avait un preneur de son, là, c'est lui. Il réalisait aussi. Et puis, il s'est rapidement rendu compte que c'était impossible. On est tout le temps dans le rush où c'est comme il était dans nos jambes plus que n'importe quoi, puis ça marchait plus ou moins. Puis, il a réagi. Je pense que c'était le premier tournage. Une journée, on était en tournage à tout le monde dehors. On avait un budget pour tourner, je crois, 3 semaines, 1 mois. OK. Avec une équipe normale. Ben moi, c'est ce que je veux de Guillaume. Nous, en cuisine, on travaille avec l'instant. On ne s'assoit pas en disant « Oh, le menu, que vais-je faire au menu? Qu'est-ce que je vais faire ce soir? » On est toujours un peu en retard. Pas trop, mais juste en retard. Toujours les produits rentrent. Là, on part à partir des produits et on fait plein de choses. Okay? Je pense que Guillaume est rentré dans nos cuisines un peu à cette façon-là. Il ne savait pas. Je sais pas qu'il voulait pas savoir, c'est mon feeling. Pas qu'il voulait pas savoir, mais il disait, moi je rentre, puis je découvre, puis c'est ça que je veux faire. Moi j'avais une idée en tête, ouais. Une structure, une ligne directrice, qui était des gens qui vivent à contre-courant, puis la réussite vient dedans. T'sais, ça c'était mon idée directrice, puis ensuite je suis rentré, puis je me suis jamais senti bousculer. Ou dire. De bousculer ou de juste d'être pas manipulé, mais d'être pris comme une personne, mais là, faut faire ça, tu sais, c'est jamais arrivé. Puis on a fait, toi, t'en fais des émissions, toi aussi, une tonne, puis quand même, des fois, on te demande, fais ci, fais ça, remets tes mains, puis, tu sais, à quelque part, puis ce côté, le fun, je pense que c'est ce qui fait le caractère de ce documentaire-là, c'est l'instinct, le côté naturel, le côté qui est, comme toujours, c'est un œil qui est comme rentré dans la cuisine, je trouve, comme ça. Certains, tu sais, après le lancement, c'est ce qui va arriver. Moi j'ai tendance à toujours regarder ça de près parce que tu sais, je voudrais pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Donc, je suis un peu inquiet, ouais. Moi, je suis pas inquiet. Non, toi, t'es pas inquiet. Non, je suis pas inquiet. Tu as la bonne attitude. Je trouve ça extraordinaire ce qu'il a fait. Je trouve ça extraordinaire qu'il ait pu nous prendre de cette façon-là. Je me compte chanceux. Ok, vraiment chanceux. Mais à quelque part, on l'a conçu notre chance. On l'a travaillé fort. Pour en arriver là dans ce qu'on fait. Ça, je trouve que c'est un beau leg, puis je le dis sans prétention, je trouve que c'est un beau leg qui est là, qui va être laissé. Et moi, si dans 50 ans, on a la chance de voir ce documentaire-là et de l'apprécier parce qu'on aura, nous, en tant que restaurateurs, continué à faire ce qu'on fait aujourd'hui, ben, je trouve que ça serait un bel. Un bel héritage. Moi, ça serait, pour moi, ça serait mon cadeau là, que j'aurais eu en travaillant fort dans la restauration. Je trouve que ce documentaire-là marque une page d'histoire de la gastronomie d'évolution au Québec, de ce que sont. Mais tu sais, à quelque part, nous, on est là, mais c'est les gens qui nous amènent là. Beautiful. Fin de discussion. Merci. Merci à Mathieu et à Mélanie. Merci d'avoir accepté. Je trouve ça. Est-ce que vous pouvez comme entrevue? C'est vraiment bon, ce champagne. Merci.